Salut les élèves, eh bien oui, c'est moi sans la barbe. Cette fois-ci, j'ai deux activités, une pour les premières et une pour les deuxièmes. Une fois que tu as fait l'activité de ta classe, tu peux bien sûr faire l'activité de l'autre classe si ça te tente, si tu as le temps de le faire, si tu as besoin de quelque chose d'autre à faire. OK? On y va. Commençons avec les premières années. Peux-tu nommer cette forme? Et bien sûr, c'est un triangle. Un triangle, c'est une forme géométrique qu'on peut reconnaître à cause qu'il y a trois sommets et trois côtés. Tous les triangles ont trois sommets et trois côtés. Peux-tu reconnaître cette forme? Et bien sûr, à cause des quatre côtés égaux et les quatre sommets, on sait que c'est un carré. Tous les carrés ont les mêmes caractéristiques. Mais il y a certaines formes qui n'ont pas toujours les mêmes caractéristiques. Peux-tu nommer cette forme ici? Ou celle-ci? Non, parce que ce sont des formes organiques, comme un nuage. Pas tous les nuages sont les mêmes. Certains nuages ont un certain nombre de bosses, il y en a d'autres qui en ont plus ou moins. Ici, je dessine trois nuages, mais les trois sont différents. Différentes tailles, différents nombres de bosses, différentes caractéristiques. Les formes qu'on peut reconnaître par leurs caractéristiques sont des formes géométriques et les autres sont des formes organiques. Un bon point de départ sont les livres Monsieur et Madame. Donc ici, nous voyons Madame Princesse. Elle a une forme. C'est quoi? Un cercle, bien sûr. Peux-tu nommer les autres formes? Un carré, un triangle, une étoile, ce sont des formes géométriques, même un demi-cercle. Des personnages comme Monsieur Glouton qui ont une forme organique. Monsieur à l'envers aussi a une forme organique. Donc nous aussi, nous allons créer notre propre personnage. On est prêt? Alors, tu auras besoin de quelques matériels. Assure-toi d'avoir un crayon à mine bien aiguisé, une efface et une règle. Sur ta surface, sur ta feuille, tu vas dessiner quelques formes géométriques et organiques. Okay? Assure-toi de ne pas utiliser trop d'espace sur une forme. Assure-toi de laisser assez d'espace pour les autres. Tu peux choisir n'importe quelle forme que tu veux, des rectangles, des carrés, des ovales. Si tu fais un cercle, tu peux utiliser un verre en le mettant sur la page et en traçant le contour. Mais moi ici, je vous montre une autre façon de faire des cercles où très doucement, tu dessines plusieurs cercles et petit à petit, tu vas voir la forme qui apparaît. Et après ça, tu fais rien qu'effacer les bouts que tu n'as pas besoin. Souvenez-vous les amis, c'est juste un brouillon pour commencer. C'est correct si on fait des erreurs, c'est normal. Donc là, j'ai fait trois formes géométriques, puis je vais ajouter une forme organique. Ceci donne la base pour mes personnages, souvent leur corps. Donc maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'ajouter leur visage. Je vais commencer avec les sourcils, les yeux, le nez et la bouche. Celui-ci, je vais lui donner un chapeau, les bras et les jambes. Souvenez-vous, les amis, les détails n'ont pas besoin d'être super impressionnants. Okay? C'est un brouillon et on ne fait rien que commencer avec nos personnages. On peut les développer petit à petit. Donc, ajouter leur visage, leur expression. Je vais vous donner une image à la fin de votre vidéo qui peut vous aider à avoir des idées pour des bouches, des nez ou des yeux. Bon, une fois que tu as fini tes quatre personnages, choisis ton préféré et essaye de le développer un peu plus si tu peux. Tu peux aussi choisir d'ajouter des couleurs à tous tes personnages. Il y a une autre façon de faire les membres, les bras et les jambes.
Tu peux utiliser des formes en même temps. Par exemple, ici, je vais faire deux bras avec des rectangles, les mains avec des cercles, les jambes avec un triangle et des ovales pour les pieds. Puis là, tu effaces les bouts que tu n'as pas besoin après avoir tout mis ensemble. C'est une autre façon de faire ceci. Si c'est un peu trop compliqué, ça va, tu le fais de ta façon. L'important, c'est que la base de ton personnage soit basée sur une forme géométrique ou organique. Dans ce cas-ci, nous avons un rectangle, donc c'est une forme géométrique. Là, nous ajoutons la couleur. Je vais avoir un personnage qui est couleur chaude. Prochain sera plus des couleurs froides. Celui-ci, je pense qu'on va mélanger les couleurs froides et couleurs chaudes. Et le dernier, on va faire quelque chose de différent avec lui. Je vais lui donner la varicelle. Bon, voici une image. Vous pouvez appuyer sur « Pause » pour pouvoir garder l'image devant vous. Si vous avez besoin des idées de yeux, de nez, de bouche, et si vous avez besoin d'un modèle pour savoir comment les faire. OK? Donc, je laisse ça pour vous. Vous appuyez sur pause si vous en avez besoin, première et même deuxième année. Passons maintenant aux deuxième années. Vous allez créer des portraits de personnages que vous allez inventer. À un moment donné, on va faire des autoportraits, mais pour le moment, juste des portraits. Vous avez besoin d'un crayon à mine et une efface. Ceci, c'est votre brouillon. Donc, comme l'activité de première année, vous allez faire plusieurs têtes. Cette fois-ci, ce n'est pas le corps, mais la tête, en faisant des cercles ou des ovales. Dans ce cas-ci, je fais des ovales. Regardez comment je pousse doucement, doucement, et je fais mon ovale plusieurs fois pour essayer d'avoir la meilleure forme possible. Je vais répéter ceci plusieurs fois pour avoir plusieurs têtes sur ma page pour vous pouvoir pratiquer différents visages. Une fois que vous avez fait vos têtes, on va parler un peu d'un artiste qui s'appelle Picasso. Je suis sûr que vous avez déjà entendu Picasso ou vous reconnaissez son style. Nous aussi, on va faire la même chose. Des yeux de travers, des formes géométriques dans le visage. Vous aussi, vous pouvez essayer de copier le style à Picasso. Alors, il utilise beaucoup de contrastes et de formes. Regardez bien comment je vais faire le visage de ma première tête. Je fais une ligne droite, j'ajoute le nez et je finis ma ligne droite. Très simple, juste pour commencer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais cette fois-ci, je vais ajouter un petit bout. Je vais m'ajouter le relief des lèvres. Donc, je commence avec ma ligne droite. Je fais mon nez. Puis là, je vais ajouter au bas deux bosses pour les lèvres. Pour le prochain, au lieu de faire les lèvres, je vais faire le menton. Donc, mon nez et le menton. Et le dernier, je vais faire tout ensemble. Et de là, tu peux ajouter les caractéristiques du visage, les parties du visage. Les yeux, la bouche, et bien sûr, ajouter au nez. Et là, les amis, ça va être à vous d'utiliser votre imagination. Quelle sorte de bouche est-ce que je veux mettre? Quelle expression est-ce que je veux que mon personnage ait? Donc, mon premier, je vais le faire en soi qui est un peu plus heureux. Donc, je lui donne un beau sourire. Je lui donne un œil. Mais là, il faut se souvenir que on prend le style à Picasso. Donc, mon prochain œil, je vais le mettre de travers. OK? Donc, celui-ci, je le mets sur son côté. Même le sourcil. Bon, passons au prochain. Quelle expression est-ce que je vais donner à celui-ci?
Bon, une fois que ta fille fait les parties de la tête, tu peux finir avec le contour et les cheveux. Encore une fois, utilise ton imagination. Les différentes techniques qu'on peut utiliser. Ne regarde pas seulement mes dessins, mais regarde aussi tes bandes dessinées. Une fois que tu as fini, tourne ta page et fais ton préféré en gros. Puis souviens-toi, c'est ton choix comment tu vas finir ton personnage. Avec un sourire ou non. Amusez-vous les amis!